Je vais vous montrer à faire un capteur de rêve. Donc, capteur de rêve, je vais vous montrer un petit peu les accessoires que vous allez avoir de besoin. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux pour couper la corde si on en a besoin. Vous allez avoir besoin d'une aiguille, pardon, à coudre, mais une grosse, donc plus pour la laine. Vous allez avoir besoin d'un anneau en métal. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez le faire avec de la broche en acier, avec des pinces, donc ça se fait très bien. Sinon, vous pouvez récupérer des branches à l'extérieur. Des branches idéalement semi-mortes, pas trop secs, que vous allez faire mouiller un petit peu pour pouvoir mouler votre cercle en bois, pardon, puis l'attacher avec de la corde. Vous allez avoir besoin de plumes, des perles, vous allez avoir besoin d'une corde, soit d'un ruban pour faire le tour du métal pour le cacher, ou sinon ça c'est un ruban faux fini suède qui va donner un aspect un petit peu plus là, indien. Puis vous allez avoir besoin d'une corde en coton un petit peu cirée. Pour faire l'effet de capteur de rêve, de tissage d'étoiles. Et dernière chose, la petite colle blanche qui peut être bien pratique quand on va recouvrir notre anneau de métal. Ici, j'ai un exemple que j'ai fait avec les mêmes accessoires. Donc, on a l'anneau de métal en dessous qu'on ne voit pas. Donc, il a été fait avec la corde en faux suède, la corde en coton au centre, les plumes attachées par la suite là, avec les perles tout simplement. Puis, on fait une petite attache pour l'attacher au mur ou ça peut être un peu partout. C'est sûr que pour les grands formats en anneaux, en métal, il n'y en a pas beaucoup. Donc, des fois, c'est peut-être mieux de le faire à la broche justement pour avoir le format que vous désirez. Vous pouvez peut-être en trouver en bois, mais j'en ai vu faites avec des branches de bois. C'est vraiment très joli. Vous pouvez les faire en forme de triangle aussi. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités. Moi, je vais vous montrer ce type-là aujourd'hui. C'est déjà quand même un atelier qui est quand même difficile pour le tissage. C'est ce qui est le plus dur finalement là. Puis il faut faire beaucoup de nœuds, attacher les plumes, mettre les perles. Donc ça demande beaucoup de manipulation et de patience. Par contre, une fois qu'on sait comment le faire, c'est vraiment intéressant. Là, on peut faire des variantes. Fait que je vais vous montrer la base comment le faire. Aussi, si vous ne voulez pas tout acheter les accessoires, j'ai trouvé chez Dollarama, c'est pas partout, mais les produits craft. Tu vois, il est à 1,25. Donc, des kits de capteurs de rêve, ça se vend. Donc, c'est un petit peu tous les accessoires que je vous ai montrés. Ils viennent dans le même kit. Donc, si, par exemple, les couleurs vous plaisent, vous pouvez prendre ceux-là. Sinon, ben vous allez chercher exactement les cordes et les choses que vous voulez, les couleurs que vous voulez, les plumes aussi. Ça se vend quand même dans des petits magasins d'artisanat. Donc, vous allez faire votre suède. Vous pouvez en acheter dans les artisanats. Ça peut être de la suède, mais ça peut être aussi de la dentelle. Ça peut être... du ruban carrément décoré d'une couleur. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Là, c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse. Mais les petits kits que je vous ai parlé qui existent déjà, c'est quand même intéressant à utiliser. Ils sont quand même bien attachés à ce que je peux voir. Donc, il faudrait détacher cette partie-là. Donc, je vois qu'il y a un fil ici. Là. Voilà. Faut pas trop tirer fort, ce fil-là, il est porté à se briser. On dirait une genre de feutrine finie suède. Donc, si par exemple, vous n'avez pas acheté le kit, c'est à peu près, je vous dirais, on va avoir besoin de 4 mètres de fil. Dans celui du Dollarama, là, il y en a 4. Je vois qu'il y en a un plus long et des plus courts. Donc, c'est le plus long normalement qu'on utilise. Ça dépend. Là. Peut-être que vous allez avoir. Avec 2 mètres, devriez être bonne pour faire le tour. Mais si jamais vous n'en voulez plus, c'est pas grave. Vous pouvez en ajouter par la suite. Donc, les autres, c'est pour le capteur. Fait que je vais aller tasser. Donc, je vous montre. Pour commencer, ce que je vous suggère, c'est de cacher la partie de l'anneau qui a été soudée. Puis simplement de faire un nœud. Et un nœud simple, finalement. Comme ça ici. Après ça, on va pouvoir commencer. Donc, juste un nœud qui va tenir ici. Vous voyez, je tire quand même fort, puis il est porté à défaire, mais il faut que ça soit quand même assez serré. Et là, on va commencer à mettre un peu de colle. Donc, il ne faut pas trop en mettre, hein, parce que ça va couler dans nos mains, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, on va en mettre légèrement. Excusez-moi, je suis à la fin un peu de mon pot.
Bon, vous voyez, j'en mets pas beaucoup là, c'est vraiment juste pour dire. Puis je vais le laisser virer pour que la colle descende bien par la suite parce que on n'a pas beaucoup dedans, hein. C'est pas pour ta sortie. Et on va prendre la corde pour la cacher, on va la mettre ici. Et là, le truc, c'est de passer la corde à l'intérieur, sortir le fil au complet et d'enrouler. Donc, on va camoufler notre fil. On tient avec nos doigts de gauche pour être sûr que la tension reste. La colle, c'est juste pour dire que ça va sécher un petit peu plus tard. Donc, on les met vraiment collés pour cacher le métal. Et vous voyez, je ne mets pas de la colle tout le tour, sinon on va s'accrocher et avoir de la colle partout. Donc, on y va étape par étape. Donc ça, il faut faire ça tout le tour. Si vous devez ajouter un morceau, vous faites la même chose, vous faites votre nœud, puis vous allez camoufler le restant de corde avec la corde que vous avez attachée. Voilà, ça donne quand même un bel effet. Puis au fur et à mesure, vous ajoutez un peu de colle. Sans exagérer. Pourquoi on met de la colle? Parce que, vu qu'il y a une tension, ça tient, mais si, mettons, je le lâcherai, vous verrez, là, c'est porté à se détacher facilement. Donc, pour la colle, ben, c'est pour s'assurer que ça tienne bien et que ça reste. Parce que, comme vous voyez, on ne fait pas de nœud, on fait juste tourner le travail. Donc, vous allez faire ça pour l'ensemble du cercle. En répétant bien. Il y en a qui le font avec du fil à broder aussi, ça peut être une option. Donc vous voyez déjà, là, on voit le résultat. Il est déjà, on peut le retasser aussi pour qu'il soit très serré. Vous voyez, ça se déroule là. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder nos doigts. De le faire au complet avec la colle. Donc, vous allez poursuivre jusqu'à temps que vous ayez terminé. À la fin, le petit bout de corde qui va rester, on va essayer de le coller avec la colle. Puis sinon, on va attendre que ça sèche et on le coupera plus tard. Donc, je vous laisse poursuivre. Moi, je vais poursuivre de mon côté pour faire l'ensemble de l'anneau. Et ensuite, on va être rendu à l'étape de tisser le fil, donc la toile d'araignée. Et c'est la partie un petit peu plus complexe du travail. On peut attendre que ça sèche un petit peu. Vous voyez, mon embout est ici. On le coupera plus tard. Je vous suggère de vous laver les mains parce que vous allez avoir de la colle sur les doigts. Donc, pour faire la prochaine étape, lavez-vous les mains avant. Puis, vous pouvez attendre un petit peu que ça sèche. Vous voyez, ça se défait un petit peu. C'est pour ça qu'on a mis de la colle. Sinon, ben, on va essayer d'aller camoufler avec notre autre corde. Donc, pour cette étape-ci, vous voyez, c'est une corde en coton. Souvent, les plus faciles sont cirées. Donc, cirer, ça permet d'aller le rechauffer un petit peu, puis ça vient plus se coller. Donc, vous allez avoir besoin d'à peu près, je vais vous dire ça. Des fois, ils sont bien emmêlés. Alors, c'est 1, 2, je dirais 3, 4 mètres. Là. Prenez 4 mètres si vous êtes capable pour en avoir assez. On va prendre l'aiguille. C'est assez facile parce que les embouts sont très gros. Il en existe en métal aussi. Donc, on passe le fil dedans. On va s'en laisser un petit lousse. Première étape, c'est fait. Et on va prendre l'autre embout de notre corde. Puis, on va aller tout de suite faire un nœud ici pour le faire tenir. On peut peut-être prendre plus de lousse là, pour que ça soit plus facile. Comme ça, un nœud simple. Moi, je vais essayer de prendre ma corde qui revire dedans, comme ça, pour être sûr que ça tient.
Pourquoi on prend une corde assez épaisse? Parce que vous pourriez prendre de la ficelle ou du fil à broder. Par contre, on va quand même tirer, donc il faut que ça soit quand même résistant. Parce que pour tisser au départ, on ne forcera pas beaucoup, mais à la fin, pour donner la forme, il va falloir quand même tirer. Donc moi, j'ai fait deux nœuds pour commencer. Donc le truc, c'est qu'on va aller faire différents points. Celui-là, on pourra en faire à peu près 12 de la même distance. Donc on peut passer par en haut, par en bas, là, selon comment vous vous trouvez. Moi, je vais y aller par en bas comme ça. On passe la corde au complet. Donc, vous auriez déjà un premier tour. Vous pourriez juste faire les tours comme ça, mais ça va se défaire. Fait que ce que je vous suggère, puis moi, je vais cacher le fil aussi. Premier tour, on va faire un nœud avec l'aiguille. Là, c'est plus difficile parce que le fil est long, hein? Donc, on va venir l'accoter à peu près ici. Voilà. Donc, ça permet de tenir l'autre fil aussi. Fait qu'on va... Peut-être on voit déjà le fil de métal. En retassant notre corde, des fois, on peut le cacher un petit peu. La distance, c'est à peu près, je vous dirais, 2-3 cm entre chaque nœud. Là, on a à peu près 2 cm. Je vais essayer de le tasser un petit peu. Voilà. On le refait pour le prochain, qui va être à peu près à la même distance. Donc, on va mettre notre doigt en dessous qui est plus facile. Vous voyez, on fait comme une boucle. Comme ça ici. On va venir passer l'aiguille. Tirer notre corde. Moi, je garde mon doigt parce que ça me permet de garder la corde à la même distance. Puis, on va le serrer. Fait que vous voyez, c'est à peu près à la même distance. On a déjà un, deux de fait. On va faire ça tout le tour. Première étape, dans le fond. Donc, à peu près à la même distance. Comme ça. Pas trop serré pour qu'on puisse passer l'aiguille. Je tiens le fil ici pour pas que ça bouge. Puis là, il est un petit peu distancé. Fait que je viens de rapprocher en tirant. Là, vous voyez, il y a un petit lousse. Fait que ce qu'on peut faire, c'est défaire un peu le nœud et venir retirer pour que ça soit bien... Bien tendu. C'est ça le but. Fait qu'on en a trois. Enfin, quatrième. Vous allez voir, des fois, là, il s'en mêle. Vous voyez, un nœud, là. Pas se poser. C'est une tête d'affaire. Donc, quatrième. 1, 2, 3, 4. On fait le cinquième, à peu près à la même distance. Oh, tenez vos perles et vos plumes loin parce que votre corde est longue. Fait que moi, tu faut que je les accroche pour que ça parte. C'est pas tout à fait pareil, mais l'important, c'est que la distance se ressemble. 2, 3, 4, 5. On ne serait pas obligé de les compter, là. Vous y allez instinctivement. 6. les modèles qu'on voit souvent, il n'y a pas de nœud de fait. Mais ça déroule, donc c'est moins pratique. C'est pour ça que je vous fais faire des nœuds. Ça tienne bien. Ça tienne. Je serre quand même fort pour que ça tienne bien. Neuf.
puis du 12, ça risque d'être 14. Dépend de la grosseur de l'anneau que vous avez, là. Bon, fait que là, je l'ai trop mis loin. Je vais l'étirer un peu comme ça. Voilà. J'en ai... Je compte pas le premier. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Pourquoi l'aiguille? Ben l'aiguille, ça va mieux pour travailler. C'est vraiment plus facile de passer le fil avec nos doigts. Hein? Des fois, là, vous allez voir plus tard, là, ça, c'est vraiment plus pratique avec l'aiguille. On va rendre ça à 10. Tu sais, il y en aurait 13, là. 10. 12, 13, puis on va revenir chercher le dernier, ça va dire 14 cordes. Ça n'a pas vraiment d'importance, vous auriez pu vraiment les faire plus distancés, c'est juste que ben, vos cordes, vous allez en avoir moins dedans. Celui que j'ai fait avant, il y en avait à peu près 12 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, tu vois. Donc là, c'est pour ça que ça permet d'avoir une plus un petit peu plus de finition, puis on a plus de cordes qui le remplit. Que ce soit pair ou impair, c'est pas vraiment important. Et on va venir rechercher dans le nœud, le dernier. On a besoin de la corde finalement qui joint les deux pour faire la prochaine étape. On n'aura pas besoin de faire de nœud pour celle-là. Donc, ce que vous allez faire, une fois que c'est fait, on va repousser les nœuds vers l'intérieur. Donc, la corde va aller vers l'intérieur. Fait juste les tourner, vous allez voir, ça se fait quand même bien. Voilà, celle-là, ben, on va la tirer un peu pour la cacher. Donc, voilà, toutes nos cordes, vous voyez, on les voit à l'intérieur. Donc, moi, ben, je suis rendue ici. Donc, la prochaine étape, j'aurais pu faire un nœud, mais c'est pas plus grave. La prochaine étape, ça va être de passer ici entre chaque espace. Donc, on y va. Premier. De 1. On va y aller par en dessous. La deuxième. On tire pas trop à cette étape-ci. Je vous suggère de toujours tenir la dernière place que vous avez faite avec vos doigts. Comme ça, le fil ne se défait pas. On va venir tendre le fil quand on va avoir fait le tour complet. On fait ça pour tout le tour. Parce que regardez, si je lâche, là, il est porté à tourner. Donc, faites juste tenir le nœud avec vos doigts. Ça facilite le travail aussi. Ça évite la corde s'en mêle. Donc, on a presque terminé. C'est répétitif, hein? Donc vous allez voir, là, à un moment donné, quand vous comprenez le principe, là, c'est assez simple. Il nous en reste deux. Il reste celui-là ici à faire. Comme ça. Vous voyez, il défait ici, là, fait qu'il va falloir peut-être remettre de la colle chaude. Quand on ne met pas de colle, c'est ça que ça fait. Donc, on a fait notre premier tour. Si on tire un petit peu, vous allez voir qu'on voit un petit peu plus la forme. Donc, la prochaine étape,
Ça va être de passer dans les triangles. Fait qu'on refait un petit peu le même processus. On repasse ici, dans celui-là, ici. Ici, il en manque un, dans le fond. Il faudrait que je le repasse ici, finalement. Bon, comme ça. Donc là, on aurait notre triangle ici aussi. Accord de ressortie, c'est pas plus grave. En prochaine étape, on va passer dans chaque triangle. Plus ça va aller, plus on va aller vers le centre. Oups, excusez-moi. Back to vent. C'est pour ça qu'il faut bien tenir. Triangle ici. Un autre triangle ici. Plus ça va aller, moins on va les voir. C'est pour ça qu'on va falloir tirer. Un autre triangle ici. Ici. Attention au fil. Je ne voudrais pas faire un nœud. Comme ça. On en revient au départ, dans le fond. Celui-là. Et le premier, dans le fond, qu'on n'a pas fait encore, là, qui est ici. On ne le voit pas bien. Là. Il est ici, notre triangle. Donc, à cette étape-ci, bien, on va le mettre au sol. On va tirer. Vous allez voir, ça commence à prendre une certaine forme. On va avoir d'autres triangles qui se forment en plus petit. Donc là, c'est encore plus difficile, finalement, à faire. Ici, on ne le voit pas bien, là. Mais normalement, il y en aurait un ici. Il y en a un ici. Où que les cordes se croisent. Il faudrait juste le défaire un peu. Là. Donc, on y va. Vous voyez, là, quand on regarde bien, on le voit plus à gauche. Puis là, je tire quand même beaucoup. Donc, vous voyez les triangles se sont formés. Ça va se former entre chaque. Ça veut dire qu'il y en a un ici. Il doit en avoir un ici qu'on ne voit pas bien. Ici. 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 Là aussi. Fait que c'est ça qu'on fait pour la prochaine étape. Je vais prendre lui parce que je ne vois pas l'autre. Voilà. Celui-là. Tranquillement, pas vite, là. On va avoir de quoi de papier. Ici. On les voit quand même quand on tire, puis qu'on le maintient ici, ici, il y en a un, là, il y en a un, on le voit pas bien. Là, ici. Mais du moment qu'on fait celui-là, lui d'après, on le voit. On tire un petit peu. Là, on le voit plus. Donc, ça, c'est bien plat. Il y en a un ici, là. Ou la jointure des cordes. Il y en a un là. Même si c'était pas parfait, vous allez voir, là, ça donne de quoi quand même bien. Là. Ici. Quand vous tirez un peu, vous voyez le résultat. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon fil quand même. Ici. Qu'on va vers le centre, ça commence à devenir plus difficile. Avec les doigts, là, on aurait de la misère à passer la corde. C'est faisable, mais c'est plus facile avec une aiguille. Prochain triangle, il est ici. Et on arrive au début. Quand on a notre corde de départ, là. Ici. Donc là, on pourrait tirer un peu. Vous voyez, ça fait quand même une belle étoile. C'est répétitif. Pour les prochaines étapes, c'est la même chose encore. C'est juste que là, on les voit moins bien. Donc, vous avez un triangle qui est ici. Il y en a un autre ici. Un ici. Un ici. Un ici. Donc, visualisez, là, vous allez voir à peu près la distance. Sinon, vous pouvez le tenir à plat si ça vous aide. Mais c'est plus difficile à travailler. Moi, je le fais pour le besoin de la cause.
Donc, je vous suggère de le lever, de tenir la corde ici pour garder votre tension et voir où passer la corde. Si on avait fait moins de nœuds, on aurait eu moins de cordes, donc ça aurait été plus distancé, tout simplement. Un peu moins long à faire aussi, mais l'effet n'est pas le même. C'est pas tout le monde qui le font jusqu'au centre. Bon, vous verrez ce que vous aimez. Là, ce qui vient mélanger, hein? On est rendu où? Est-ce que lui l'a fait? Non. Bon, vous voyez, je viens de passer deux fois la même place. Là. Je reviens. Donc, c'est pour ça que des fois, le tirer un peu, ça nous permet de voir où on est rendu. Alors, normalement, on voit un triangle là, un là, un là. Je vais y aller comme ça. Oui, j'en ai sauté un ici, là, je pense. Fait que je vais le défaire. C'est ça qui vient tannant, là, quand on commence. On va sortir de l'huile. On va tirer. Ouh! On va tirer le fil. On va reprendre où que j'étais rendu. Fait qu'il en manque un là. Dans le fond, il faut le piquer entre les deux ici. Voilà. Puis là, ben, quand on tire, on les voit, là, les triangles. Puis on ne le voit pas beaucoup, mais... là qui se cache et là ça commence à être plus difficile à faire. Là on est revenu au début, donc si on tire, ça commence à prendre forme. C'est vraiment intéressant. On pourrait rapetisser au lieu de faire chaque petit triangle, mais on peut continuer comme ça aussi. Il commence à être difficile à voir, mais juste ici le trou. Puis il en manque sûrement un que j'ai pas vu. Ouais, c'est ça, il y en a un ici. Donc il y en a un juste ici. Ici. Et là, ça commence à être plus difficile, je vous dirais là. Ça devient d'être des petits espaces. Faut être patient. Mm.
Moi, je risque de manquer de corde pour le faire au complet. C'est pas plus grave. Vous, si vous avez la patience, des fois ça devient un petit peu plus difficile, fait qu'on peut l'arrêter comme ça. Ou on fait juste décaler de deux, par exemple, les places où on le fait. On recommence dans le fond au début ici, là. Je pense que c'est ce que je vais faire parce qu'il me reste vraiment pas long de fil. Vous voyez, ça fait comme une belle rosace. On pourrait le terminer, faire un nœud. Se laisser l'espace vide pour accrocher les perles. C'est quelque chose qu'on pourrait faire. Là, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous désirez, tout simplement. Là, en tirant, on voit, là, ça commence à être vraiment difficile, là. Ça serait ici. Moi, ce que je vais faire comme un petit peu une étoile. Puis, je vais ajouter des perles. Je suis rendue en haut ici, dans le fond. Je vais mettre là. Donc, je vais passer une perle. Pourquoi les grosses aiguilles? Ben, il ne faut pas que ce soit trop grosse non plus pour que les perles puissent passer. Comme ça. J'en mets une là. Donc, je vais faire... là, normalement, je le piquerai là. Là, fait que je vais en passer un. Ici. J'en ai passé un. Donc, je vais aller rajouter une perle. Comme ça. Ils vont peut-être être proches un peu. Il y en aurait un ici, et j'en passe encore un. Faut en passer deux si vous voulez. Je remets une perle. Il y en a un ici, et j'en ai passé un encore. C'est toujours répétitif. On met une perle. Ça va être très joli. On en passe un, on en fait un ici. Puis je pourrais déjà mettre ma perle. Je passe la perle. J'en passe un. J'en fais un ici. Je mets une perle. Puis ça, vous pouvez tellement faire des variantes là, différentes. Je vais avoir juste assez de cordes. J'en passe un, j'en fais un ici. Je mets une perle. Ouh, là, ça devient plus difficile quand on n'a plus beaucoup de cordes. On peut tirer un peu. Ça peut aider. J'en passe un, j'en fais un ici. Il serait ici. C'est ça. Genre, je finirai là, dans le fond. Il y en a un là. Il y en a un là. Fait que j'en ai passé un encore. Je mets une perle. Faites attention si vous êtes rendu comme moi parce que ça devient difficile. Et normalement, j'en passerai un, j'en mettrai un autre. Vous voyez, ils sont tous à la même distance. Donc là, j'aurais pas besoin d'en faire un autre. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de faire un nœud tout simplement. L'idéal, ça serait de mettre l'aiguille en dessous comme ça. D'aller piquer, ça va. Ça y va plus facilement. Donc, en tirant, on voit déjà là, que la forme se fait. Les perles vont bouger un petit peu. Il faut vraiment faire un nœud pour compléter là, notre travail, pour pas que ça s'ouvre. Puis, il faut qu'il reste quand même de la corde pour que ça soit facile à faire. Fait que vous allez la repasser au travers et faire un nœud. Et bien tirer. Tirez pas trop fort non plus parce que ça pourrait casser la corde. Mais il faut quand même tirer. Ça va faire une tension. Vous allez voir, en les touchant, ça va être vraiment dur. Donc voilà. Pour cette étape-là, c'est fait. Fait qu'il resterait juste, par exemple, à ajouter des décorations. On pourrait couper la corde ou la passer dans les perles tout simplement pour la cacher. Vous voyez? Sûr qu'à cette étape-là, c'est plus difficile. Ou des fois, on vient la rattacher en haut ici. Ou on fait juste la couper, tout simplement.
Donc, vous voyez, les perles bougent. En haut, c'est plus tendu, ça bouge moins. Ou on pourrait tout simplement s'en servir, vu que là, ça tombe au centre, et aller ajouter des plumes qui tomberaient en avant. Donc, c'est quelque chose de possible. Ou qui tombe vers en bas, comme vous voulez. Peut-être vers en bas, ça serait plus joli comme ça. Peu importe l'orientation, c'est répétitif. Vous voyez? Ça pourrait être beau avec des perles blanches. Ou des plus petites perles. Donc ici, j'ai d'autres perles qu'on utilise des fois pour mettre à l'embout des plumes. Donc, je vais mettre ça ici. Comment les faire tenir? C'est simple, il faut faire un nœud souvent. Là, ça ne sera pas évident. Donc, on fait, on le repasse, on la cote, puis on passe la laine. Comme on fait un nœud simple, puis on la tient. Bon, ça ne sera pas collé. Et pour les plumes, il faut vraiment venir les attacher avec la corde. Sinon, il y a un truc qui est le fun. Vous pouvez, exemple, prendre la petite broche et venir vraiment les tenir ensemble, serrés, puis faire un embout pour pouvoir attacher la corde dedans. Aussi, normalement, quand on les rentre dans les perles, là, c'est supposé de tenir serré, mais c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus résistant. Mais ça fait une belle finition. Fait que mettons que je les mettrais. C'est assez serré pour rester dedans. Vous voyez? Il faut juste jouer un petit peu avec. Fait que ça serait déjà pas pire. Et on pourrait reprendre justement, si vous avez d'autres cordes, pour venir rechercher là, l'aspect qu'on a fait au départ. Donc, la corde, c'est sûr que c'est un petit peu tannant. Peut-être qu'on ne veut pas la voir, là. Moi, je le laisserai comme ça. Je ferai peut-être un autre nœud juste pour être sûr en dessous. Puis, involontairement, on vient comme cacher l'autre corde qu'il y a ici. Donc, si on est capable, on pourrait les rattacher ensemble. Ça permettrait, là, d'éviter de voir des petits fils qui pendouillent. Puis la plume va venir par-dessus cacher cette partie-là. Comme ça. Donc, quand la plume va descendre, whoop, on ne le verra plus. Fait que ce qu'on va faire, au fait, c'est qu'on va couper le fil ici. C'est un peu pour ça les ciseaux. On s'en sert plus ou moins. Donc, ça vient cacher carrément comme ça ici. Je vais vous montrer faire l'embout ici. Donc, c'est simple. On va prendre un fil. On va faire un nœud ici. On va les mettre les deux bouts ensemble, pliés. On fait un nœud simple. La façon la plus simple de faire un attache, moi, c'est celle-là. Comme ça. Puis on veut que ça ici, ça soit vers le haut. Donc, on va essayer de le mettre justement, ça c'est au centre. Donc, on va passer la corde juste ici. On prend l'embout. On le passe dedans et on tire vers le haut, tout simplement. On pourrait refaire un nœud ici pour être sûr que ça ne se défait pas, parce que ça peut quand même se défaire facilement. Là. On peut refaire un nœud pour être sûr que ça tienne bien serré. Il est moins coopératif, celui-là. Puis, il est plus fragile, fait que j'essaie de... Voilà! C'est pour ça que je disais qu'il était fragile. J'essayais de faire mon nœud, ben je vais le redéfaire, c'est pas plus grave. Je voyais qu'il y avait... Il faut tirer pareil, hein, c'est ça qui arrive. Fait que là, je vais le couper, je vais recommencer. C'est des choses qui arrivent quand on... Je vais en prendre un autre. Ça a fait envoler les perles. Voilà. On fera peut-être pas un nœud aussi serré que j'ai fait. Donc, ma plume est là. Et je vais l'attacher ici.
passer la corde. On va tirer. On va la centrer. Moi, je refais un nœud quand même parce que je trouve que c'est mieux. Tirez pas trop fort. Comme j'ai fait. C'est comme antidérapant aussi, hein. Fait que... Bon. Donc, ça serait suffisant, là. Pas trop serré. Donc là, vous pourriez l'accrocher. Je vous suggère peut-être de le compléter. Vous pourriez ajouter d'autres éléments. Donc, il me reste encore de la petite corde comme ça. Ça serait beau, là, d'ajouter deux cordons un peu plus... long. Donc souvent ce qu'on fait, l'autre, moi mon autre il est pas mal brisé, hein, fait que ça sera pas trop récupérable, mais on procède un peu de la même façon. Fait que lui je vais le récupérer, je vais le couper en deux. Donc normalement on pourrait faire notre nœud, l'attacher un peu comme celui du départ, puis juste mettre nos perles déjà dedans avant de faire notre nœud. Je vais vous montrer ça, je vous explique ça. Donc, je pourrais peut-être prendre une rose, une comme ça, et une autre rose. On va faire la même chose de l'autre côté, avec l'autre corde. Donc, je laisse ça comme ça. Je fais la même chose avec le deuxième embout qui me reste. Deux morceaux qui vont aller de chaque côté finalement. Donc, on peut en ajouter plus aussi si on veut faire vraiment pas une guirlande, mais il m'en reste deux comme ça. Donc, il n'y en a pas une tonne. Si vous avez plus de perles, gâtez-vous dans le fond. Je vais peut-être mettre des roses, j'en ai plus, je vais en ajouter. Un en haut, un en bas. Puis là, il m'en reste ça. Fait que je vais en mettre trois roses. C'est réglé. Je vais repasser l'ensemble de mes perles. Donc, ça va donner ça. Ça va faire la même chose de l'autre côté. Là, je vais en manquer. Bon, j'ai mal quelques lunettes à faire. Deux. Fait qu'il y en a deux, trois. Idéalement, c'est que ça soit pareil des deux côtés. Oh non! Ça, c'est des choses qui arrivent. Fait qu'il y a deux roses. On rentre deux roses. Je recommence parce que j'ai tiré sur ma corde. Qu'on peut faire, on va faire un nœud au bout. Un nœud, ça sera peut-être pas suffisant pour que... Ah oui, ça va fonctionner, pas que les perles se sauvent finalement. Vous n'êtes pas certain, faites-en deux. Pas plus compliqué que ça. Puis, on va venir l'attacher. Donc, peut-être que là, la longueur n'est pas assez longue. Normalement, on mettrait les plumes au bout. Fait qu'on va essayer de rentrer dans la perle. Et refaire un nœud avec l'embout de corde qui nous reste. On fait la même chose des deux côtés. C'est ce que je vous suggère, mais vous pouvez y aller à votre guise. Inquiétez-vous pas. C'est votre choix. Donc, j'ai d'autres plumes roses. On en prend deux, trois là, pour que ça soit assez serré. Puis même, je sais pas si ça va fonctionner. On prend l'embout. Dans le fond, c'est des vraies plumes. On va essayer de rentrer dans la perle. Tu vois, il y en a une qui n'est pas rentrée. Puis normalement, ça devient bien serré. On n'a même pas besoin de faire de nœud ou quoi que ce soit. Faites attention pour que vos perles se sauvent. Vous pouvez, vu que le nœud est fait, juste pousser un petit peu. Comme ça. Vous voyez, ça pourrait tenir là, sans problème. Peut-être juste faire un autre nœud pour être sûr en arrière. Mais on aurait dû le faire au départ parce que là avec les plumes c'est difficile un petit peu.
des petits morceaux de plume. On pourrait couper l'embout qui est trop, pas qu'on le voit. Et on va aller l'attacher. Si vous voulez pas que les perles bougent, vous pourriez refaire un nœud ici. Ça serait une bonne idée. On ne sait pas encore la longueur qu'on va y mettre. Donc, c'est quand même cute. Et là, il va nous rester à l'attacher à peu près à la même distance. Souvent, ça va à côté sur la corde. Là. Fait que ce que je vous suggère, c'est de le descendre un petit peu plus bas que celui-là. Donc, on va y aller. Puis, ça serait du même côté de l'autre côté, justement, pour que ça soit balancé. On fait des nœuds, tout simplement. On va en faire deux pour être sûr. Tirez pas trop fort. C'est pas parfait. Mais voilà, c'est ça. C'est, des fois, c'est la qualité, ça vaut la peine des fois de débourser pour ça, là, je vous dirais, parce que... pas trop fort si vous êtes comme moi puis vous avez de la puissance dans les doigts pour briser votre corps. Il y aurait moyen peut-être d'aller mettre une petite goutte de colle là, bien le faire tenir. Coupez pas tout de suite l'embout, je vous suggère peut-être d'aller mettre de la colle, quelque chose là, pour vraiment le faire tenir comme du monde. Je vous montre ça. Qu'on le couche comme ça. Il n'est pas plus long, mais quand même. Je vais refaire la même chose de l'autre côté parce que idéalement, il faut que ça soit uniforme. Mon nœud, il n'est pas très gros ici. Puis mes perles, il est en train de passer au travers. Hein. Des fois, c'est mieux de prendre plus long de fil. Puis vous le coupez par la suite tout simplement parce que quand vous en manquez là, ça c'est vraiment pénible. Bon, j'ai deux nœuds. Je vais mettre mes plumes. Il m'en reste pas mal. Trois. Voilà. Tant mieux. J'en ai assez. On va les passer dans les perles. Il faut s'assurer que ça soit serré si on est capable. Comme ça, ça tient quand même bien. Je vais mettre même l'autre perle. Comme ça. Puis idéalement, faire un nœud, mais là, ça va être pas mal difficile. Fait qu'on va juste le laisser pendre à l'arrière. On va couper l'excédent un petit peu pour pas qu'on le voit. Fait qu'il va nous rester à... tantôt, j'ai fait un nœud pour pas que ça bouge. C'est beaucoup de manipulation, comme vous pouvez voir. Une fois qu'on l'a fait, là, après, c'est super facile de faire ça. Puis c'est beau en plus. Donc, le but des Dreamcatcher, des capteurs de rêve, vous mettez ça en haut de votre tête de lit normalement, puis c'est supposé de capter vos cauchemars. Et là, vous voyez, il est à cette hauteur-ci, fait qu'il faudrait y aller à la même hauteur pour l'attacher. Et essayer d'avoir la même... la même longueur. Donc là, il est pas mal la même longueur. Deux nœuds. Donc, ça a l'air d'avoir bien du sens. Ça fait beaucoup de grenailles. Ah oui, c'est vrai. Normalement, si le fil est assez long, on pourrait même le repasser ici pour le cacher. Si on est capable. Mais là, avec les plumes, ça risque d'être difficile. Si vous voulez que ça fasse plus beau. Vous voyez, on le voit ici. Là. On va juste tirer. Comme ça. Voilà. L'autre, ben, il sera pas assez long pour le faire, mais c'est pas plus grave. Je vais faire comme l'autre, que ça soit pareil. T'sais. Voilà. Donc, vous auriez votre capteur de rêve de fait.
Je vous suggère d'essayer plusieurs choses différentes. Comme je disais que les branches de bois, ça doit être super beau. Je ne l'ai pas fait, mais il y a plein de variantes. Il y a des variantes aussi avec de la corde qu'on peut mettre dessus aussi. Donc, voilà ce que ça donne quand vous l'accrochez. J'espère que vous vous amusez et je vous souhaite une belle création.